Bonjour, je suis aujourd'hui dans un potager qui a des légumes magnifiques, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout ce carré magique qui renferme énormément de plantes médicinales et notamment des camomilles dont j'aimerais bien vous parler. Voici sous nos yeux la matricaire ou camomille allemande, en latin Matricaria camomilla, et qui s'appelait avant Matricaria requisita, qui est caractéristique par son odeur de pyrèthre et ses feuilles finement découpées. Elle est caractérisée par ses capitules avec des fleurs jaunes au centre et des pétales, des ligules blanches autour. Et le caractère le plus important est que quand on coupe le capitule, la grosse fleur en fait, le centre du capitule est creux. C'est vraiment la caractéristique de Matricaria camomilla. C'est une camomille qui est souvent cultivée, mais que l'on va retrouver aux abords des habitations, dans les friches et dans les milieux qui sont temporairement humides, qu'elle va coloniser assez rapidement. Son nom de matricaire lui vient du latin matrix, qui veut dire la matrice, c'est-à-dire l'utérus, parce que la plante est utilisée depuis très longtemps pour soigner les problèmes de la femme. C'est une plante héménagogue qui permet de réguler les problèmes menstruels et les douleurs menstruelles. Elle a une composition intéressante avec notamment des flavonoïdes et une huile essentielle qui renferme deux substances au nom un peu barbare, de l'alpha-bisabolol et du chamazulène qui vont lui conférer des propriétés intéressantes, et c'est ce chamazulène qui donne à l'huile essentielle sa couleur bleue. Alors, elle a des propriétés qui sont spasmolytiques et musculotrophes, c'est-à-dire qu'elle va faciliter la digestion. C'est une plante qui a des propriétés anti-inflammatoires et également antiseptiques et ulcéroprotectrices. C'est-à-dire que quand on va prendre en des infusions des gélules de la plante, ça va permettre par exemple de calmer les douleurs gastriques, les brûlures de l'estomac, et ça va permettre à l'estomac, à la muqueuse de se régénérer. Et enfin, une chose très importante, elle renferme parmi ses substances une apigénine qui va se fixer sur les récepteurs aux benzodiazépines, et ce qui lui confère un petit effet calmant, ce qui va être intéressant pour les gens qui dorment mal. Donc on pourra la prendre le soir pour améliorer la digestion, mais aussi faciliter l'endormissement et le sommeil. Par voie interne, du coup, la matricaire est toute désignée pour calmer les spasmes gastro-intestinaux et les maladies inflammatoires dans les pathologies gastro-duodénales comme les lenteurs à la digestion, les ballonnements, les entérites, les coliques et les gastrites. Par voie externe, par contre, les propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes de la plante sont mises à profit dans des préparations indiquées par exemple contre les inflammations cutanées et des muqueuses et contre les pathologies dermatologiques bactériennes, y compris tout ce qui est gingivo-buccal, comme par exemple les gingivites, les stomatites, les aphtes, etc. Elle sera intéressante aussi pour soigner les crevasses, les écorchures, piqûres d'insectes, eczéma par exemple. L'huile essentielle dont je vous ai parlé possède bien évidemment des propriétés aussi anti-inflammatoires, cicatrisantes et anti-allergiques. Elle sera recommandée dans les dermatoses, les plaies infectées, les ulcères, les eczémas, les problèmes au niveau digestif et gastro-duodénaux. Si cette matricaire a beaucoup de propriétés, il ne faut surtout pas la confondre avec d'autres camomilles, comme par exemple la parthénelle ou grande camomille Tanacetum parthenium, qui ne fait pas partie du genre Matricaria, mais du genre parthenium. La parthénelle a des fleurs beaucoup plus petites, avec le centre qui est nettement moins jaune, et surtout des feuilles beaucoup moins découpées, qui ne peuvent pas être confondues avec l'autre matricaire. Si je vous parle de cette parthenelle, c'est pour son intérêt dans le traitement préventif des migraines. C'est une plante en effet qui diminue l'agrégation plaquettaire. Elle va agir sur des enzymes, notamment elle inhibe la phospholipase A2 et la protéine kinase C. Et du coup, elle diminue la libération de prostaglandines inflammatoires. Et quand on va la prendre régulièrement, ça va permettre d'espacer des crises migraineuses. Alors les études ont été controversées sur cette plante parce que la méthodologie n'était pas très bonne, il y avait peu de cas qui étaient traités. En 2005, une étude importante a montré que, prise régulièrement, il y avait un intérêt au niveau de la prévention des migraines. Les gens qui étaient migraineux faisaient de moins en moins de crises de migraines. C'est une plante qui a des recommandations d'emploi, notamment elle sera évitée chez les gens qui ont déjà des traitements par anticoagulants ou avec antiplaquettaires, car elle potentialiserait l'effet de ces médicaments.
Elle doit être évitée chez les sujets qui peuvent développer une allergie aux plantes de la même famille, bien sûr. Ne pas l'utiliser chez la femme enceinte. Et il ne faut pas l'utiliser sur de trop longues périodes sans interruption. On recommande de l'utiliser 4 à 6 semaines et puis de faire le point au bout de 4 à 6 semaines pour voir son impact sur l'état migraineux. Voici la dernière plante dont j'aimerais vous parler, qui dresse ses hampes florales vers le ciel. Mais comme vous voyez, c'est la fin de la journée, elle commence à être épuisée. Mais si on attend encore quelques instants, un petit miracle va se produire. L'ouverture de la fleur est filmée en temps réel. La nuit commence à tomber et l'onagre va se parer de ses plus beaux ornements. Elle va ouvrir des petits soleils qui vont scintiller dans la nuit et attirer son pollinisateur qui va être aimanté par la fleur. Et les dizaines de petits soleils n'attendent plus que la visite de leur pollinisateur. Au petit matin, l'onagre a ouvert un grand nombre de fleurs qui vont finir leur vie dans les heures qui suivent pour que le soir venu, une nouvelle génération de fleurs éclose. C'est une très jolie plante qui peut faire 1,50 m de haut, voire 2 m, qui est une bisannuelle. La première année, elle fait une pousse qui va faire des réserves et la deuxième année seulement, elle fait des hampes florales et elle meurt au bout de la deuxième année. Toute la plante d'onagre est comestible, à commencer par ses fleurs qui vous apporteront une couleur magnifique aux salades. Le seul inconvénient, c'est qu'elle s'ouvre à la tombée de la nuit et elle commence à se faner en début de matinée, donc on a peu de temps pour les cueillir. Même les boutons floraux avant ouverture peuvent être consommés. Ils pourront être confits dans de l'huile ou du vinaigre et par exemple utilisés à l'apéritif. Les feuilles sont également comestibles, crues ou cuites, mais à ce moment-là, il faut les cueillir toujours avant que la tige fleurie n'ait poussé. Donc au moment où la plante est en rosette, elles pourront être utilisées crues dans des salades ou alors cuites et préparées un peu comme les épinards. À partir des graines d'onagre, on arrive à obtenir de l'huile d'onagre qui est utilisée depuis longtemps dans tous les petits troubles chez la femme, comme le syndrome prémenstruel ou la préménopause. Elle permet d'atténuer un peu tous les problèmes qui apparaissent avant les menstruations ou au début de la ménopause. Mais il faut donner des doses conséquentes d'huile pour être efficace. Le gros intérêt de cette huile d'onagre est d'apporter des acides gras essentiels et notamment de l'acide gras gamma-linolénique qui est un acide gras que le corps a du mal à fabriquer. Il le fabrique normalement à partir de l'acide linoléique. Mais chez certaines personnes, à partir du moment où elles vieillissent un peu, ou à partir du moment où elles ont un diabète, certaines pathologies, ou la consommation d'alcool bloque la transformation de l'acide linoléique en acide gamma-linolénique, ce qui peut entraîner des conséquences sur le métabolisme humain. En effet, à partir de l'acide gamma-linolénique, le corps est capable de fabriquer des molécules, des prostaglandines, qui sont notamment anti-inflammatoires et anti-agrégantes, ce qui est important pour le fonctionnement du corps humain. Tout l'intérêt de supplémenter l'alimentation avec des huiles riches en acide gamma-linolénique réside dans le fait que cet acide est ensuite transformé dans le corps en des métabolites comme des prostaglandines, les PGE1, qui ont une activité anti-inflammatoire, anti-agrégante plaquettaire et vasodilatatrice. Ce qui est intéressant et permet de s'opposer à des phénomènes inflammatoires chez certaines personnes qui sont sensibles à ces maladies-là.
Alors ce qu'il faut savoir sur cette onagre aussi, c'est que même quand l'huile est donnée en quantité importante, elle n'est pas toujours efficace dans le traitement prémenstruel, du syndrome prémenstruel. Les études sont très controversées. Il y a des études qui montrent une amélioration et des études où il n'y a pas d'amélioration du tout. Il y a des femmes qui ne répondent pas à ce traitement. Par contre, il s'est prouvé que dans les mastodynies, c'est-à-dire les douleurs au moment des gonflements des seins avant les règles, l'huile d'onagre permet d'atténuer toutes ces douleurs. Enfin, cette huile d'onagre est très intéressante pour la peau parce que les acides gras essentiels qu'elle apporte vont jouer un rôle sur l'élasticité, vont améliorer un peu l'élasticité de la peau et jouer un rôle un peu préventif au niveau de l'apparition des rides. Enfin, une dernière chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que la racine de l'onagre est également comestible. Elle a un goût de viande fumée, ce qui lui a valu le nom de jambon des jardiniers. Alors on peut la cuisiner crue ou cuite, bouillie et manger comme des céleris ou d'autres racines. Mais toutefois, c'est très rare qu'elle n'ait pas un goût acre ou qu'elle n'entraîne pas un peu des raclements de gorge. Elle a une petite action irritative quand même, bien qu'elle soit entièrement comestible. Voilà, vous connaissez maintenant les propriétés de ces trois simples, de la partenelle, de la matricaire et de l'onagre. À vous de les utiliser, de profiter de toutes leurs vertus médicinales.